Bah chill un peu mon pote. Vous vous êtes bien battu. Revenez à la base pour débriefing. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur la nouvelle mitraille qui est sortie dans Warzone, le pistolet à clous. Et ben franchement, c'est une arme qui est assez cheatée puisque son time to kill il est meilleur que la phare quand elle a été cheatée, qu'elle a été patch. C'est-à-dire qu'il est de l'ordre de un peu plus de 400 millisecondes. Donc si vous touchez la plupart de vos balles, en moins d'une demi-seconde, vous tuez votre ennemi. Sachant que c'est une arme, donc une mitraille, donc à courte portée. Donc en général, pour toucher son adversaire, ça va. Et la cadence est un peu plus faible qu'une arme comme la LC-10, la MAC-10 par exemple. Mais par contre, les dégâts sont incroyables. Et donc du coup, pour la débloquer, il y a deux possibilités. Soit il faut faire un défi, en fait, où... vous faites 5 éliminations avec une arme spéciale, donc c'est par exemple un lance-grenade il me semble, c'est l'arbalète, c'est le couteau balistique. Vous faites 5 éliminations avec ce genre d'arme dans 15 parties différentes. Ou sinon, vous faites comme moi et vous l'achetez directement dans la boutique. Et franchement, elle fait mal. Donc je vous ai mis quelques petits gameplays, pas de top 1, mais des parties avec pas mal de kills. Donc profitez-en. Voilà, ciao tout le monde. Let's get ready to rumble. Besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Je conduis. J'y vais. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Vous repartez au combat, soit vous perdez, et tout s'arrête. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Vous retournez au combat.
rapproche. Changement de zone de sécurité. Cible marquée, faites feu! Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Impact, vous m'avez raté. Je bouge. Prends le volant. Sécurité.
soit vous perdez et tout s'arrête. Vous y êtes, soldats. À vous de... On va chill un peu, mon pote. Vous vous êtes bien battu. Revenez à la base pour débriefing.